Le 21 avril, Super Amos a acheté des semences de céréales de base au marchand local Francisco Polanco. Le maire adjoint de Prince Polka a reçu les semences des mains de Luisa Duarte, vice-présidente de Super Amos. La capitale municipale de Prince Polka, Alamicamba, est située sur les rives de la rivière Prince Polka. La rivière sert d'autoroute principale pour le trafic vers et depuis les communautés rurales locales. Grâce aux dons d'amis des États-Unis, de Belgique et de Luxembourg, Super Amos a acheté un peu plus de 3 tonnes de riz, de maïs et de semences d'haricots pour aider les familles locales qui ont tout perdu pendant les ouragans Eta et Iota en novembre 2020. Nous avons remonté le fleuve pour livrer 20 sacs de semences de riz à la communauté d'Aguas Filas, à environ 30 minutes en bateau d'Alamicamba. Des représentants des programmes sociaux de la compagnie minière locale Hemco ont facilité notre visite. Gregorio Downs et Elizabeth Wilson de Hemco ont aidé Super Amos pour le transport et l'hébergement. Ensemble, Hemco et Super Amos aideront les autorités municipales à garantir la sécurité alimentaire de plus de 600 familles. Les dirigeants de la communauté d'Aguas Filas ont expliqué à quel point ce don était opportun et important pour les familles locales et ont remercié tous ceux qui ont rendu ce don possible.